Vous pensez qu'il y a encore quelqu'un qui vous connaît vraiment, vraiment? Ou vous pensez aujourd'hui qu'il n'y a que vous qui vous connaissez? C'est difficile pour moi de répondre à ça parce que j'ai trop joué aussi pour qu'on se fasse une idée de moi que je pense que c'est quasiment impossible. Et que je désire, même pour les gens que j'aime infiniment, que ça soit impossible. Je ne veux pas être une réalité dans la vie des autres. Je veux être comme une apparition. Ça apparaît, ça disparaît. Je ne veux pas avoir de réalité et de poids dans la vie de qui que ce soit parce que je ne désire pas ça dans la mienne. Ça, c'est le secret de l'histoire, à mon avis. Mais ne commencez pas les clichés de solitude et machin comme ça. Hein. Pour les gens comme moi, la solitude, c'est une victoire, c'est une lutte. Et tout ça, les gens qui font un métier aux prétentions de création comme le mien, ils doivent être souvent seuls pour recharger les batteries. Moi, je ne pense pas qu'on peut vivre en public 24 heures sur 24 et rester créatif. Et puis, il y a quand même tellement de choses que je fais, ne serait-ce que lire. On ne peut pas lire quand les gens vous tiennent compagnie, parce qu'il y a des horaires impossibles. Je veux dire, je ne sais pas à quel moment j'ai envie de lire. Donc, moi, je suis pour que chacun ait une vie indépendante. Le côté béquille, parce qu'on s'appuie sur quelqu'un, c'est très dangereux pour des gens comme moi. Moi, je patine sur une espèce de glace très, très légère et il faut que je passe dessus avant que ça ne craque. Hein.